Hey, bonjour, c'est Macha et bienvenue pour le 25e épisode de notre Million Challenge sur les Sims 4. Et on voit tout de suite Amelia qui se réveille et qui est triste. Évidemment, je vous rappelle qu'au dernier épisode, elle n'a pas écrit un seul best-seller. Bon, bref, donc elle se réveille et elle va pas bien du tout en vrai. Donc ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on aille la faire utiliser, prendre une douche et prendre des restes qu'elle va regarder, qu'elle va manger devant la télé. Voilà. Elle se sentira mieux. Il faudra qu'elle socialise un petit peu. Mais bon, le social et moi, ça fait deux sur les Sims. Voilà. Lui, il est pareil. Il faudrait qu'il aille prendre des restes et qu'il aille regarder une chaîne. On va ouvrir un truc parce que... Donc, on va prendre un gâteau. Par exemple, celui-là. Et voilà. Et toi, tu vas aller prendre un morceau. Comme ça, tu ne seras pas bloqué par le fait que ton oncle va ton cousin, pardon, va manger en même temps que toi. Tu auras besoin ensuite de faire de pipi et d'utiliser. Ensuite, toi, tu iras juste fertiliser, écoute. Et les enfants, on va tout de suite derrière les coller sur ceci. Voilà. Donc, toi... Toi, on va te coller devant la télé, toi aussi. Oukupanino, tu es déshydraté. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller juste prendre un morceau. Puis ensuite, tu iras juste utiliser ici. Comme ça, on va pas. Et ensuite, tu iras. C'est où? C'est là. Tu iras pêcher, non, plonger en apnée pour trouver des trésors. Et tu vas faire ça plein de fois. Voilà, jusqu'à plus soif, en fait. On va se rapprocher, attendez, hop là! Voilà, comme ça, écoutez, lui, il va pouvoir nous ramener pas mal d'objets aussi. Et en plus, ça l'hydratera. Donc lui, il a juste besoin de pas longtemps. Anaël, viens de te réveiller, tu as faim. Donc c'est pareil, tu vas aller prendre un morceau que tu vas prendre devant la télé. Amélie, t'en es où? T'en es à la douche, très bien. Tu n'as pas de livre à mettre, non. Donc ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu iras... Bon écoutez, on va attendre qu'elle soit détendue. On va attendre un peu. Écoutez, les Sims ont besoin aussi de parler en ce moment. Donc écoutez, ils vont discuter un peu tous ensemble. Par contre, toi, tu as des choses à faire. Donc les enfants, on s'en fiche un peu, comme d'habitude. Et Panino est parti. Du coup, Panino est parti. Donc voilà. J'entends chanter. Ah, elle peut pas aller pêcher parce que son frère est en train d'y aller. Donc voilà, ça c'est fait. Oukou, il est là, il est en train de nager, ce qui fait qu'il s'hydrate, donc tant mieux. Et nos Sims sont en train de discuter ensemble, ce qui fait que le social ira beaucoup mieux dans pas très longtemps. Et ça c'est positif parce que ça évitera qu'il soit tendu toute la journée. Et donc toi, tu vas beaucoup 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 mieux. Dites, c'est rare que je les vois aussi bien. Tu vas aller observer les étoiles. Oukou, j'ai oublié parce que c'est lui, du coup, c'est à son tour de tout vendre. Voilà, il va aller tout vendre. Petit après, et avant de retourner faire de la plongée juste derrière. Donc écoutez, il a vraiment une journée bien remplie. Toi, donc tu observes le ciel, donc tu as une journée très remplie aussi. Vous, vous discutez, vous vous amusez, c'est très bien. Mais ensuite, va falloir que toi, tu ailles écrire. Et franchement, cette fois-ci, tu vas me faire des best-sellers parce que sinon, je serai pas contente, hein. Voilà, elle va au moins écrire trois livres. Mince, écriture, c'est où? Écrire. Je vais trop vite, hein, si vous vous demandez, c'est juste que je vais trop vite, mais j'ai besoin d'assurer des sous. Beaucoup, beaucoup de sous. Et toi, tu vas faire une toile. Allez hop, au boulot les enfants, on va travailler, parce qu'il faut travailler dans la vie. Voilà, c'est sachez-le. Aujourd'hui on travaille et demain on travaille et après-demain on travaille. Enfin bref, il y a besoin beaucoup beaucoup de rapporter des sous. Voilà. Toi donc c'est Sophia qu'on n'a pas vraiment encore, on s'est pas encore vraiment occupé d'elle. On s'en fiche des agences machin. Toi, tu vas te prendre un petit déjeuner, des salades de fruits. Ensuite, non, il n'y a pas de courrier, donc tant mieux. Tu vas ensuite aller entretenir le jardin. Et on va bien réussir à être au bon niveau ici. Je sens qu'il y en a une petite. Ouais, elle gagne 5 000 par jour quand même d'intérêt, Amelia. Ce qui est génial. Donc voilà. Félicitations à Amelia pour ses performances. Et elle va continuer. Et ça aussi, elle va bien réussir à écrire ses best-sellers. C'est pas possible. Est-ce qu'on a une aura activée au fait? Je n'ai même pas regardé. Activer l'aura émotionnelle. Déjà, peut-être que ça va aider. Ah, on dirait que quoi? Je ne sais pas.
Bref. Donc, il y a surtout Sophia à surveiller. Donc, Sophia qui est passée adulte au dernier épisode. Non, mine de rien, on commence à avoir une maison vieillissante. Et c'est triste. Abnaël a fini son chef-d'œuvre. Donc, écoute, tu vas le. Non, tu vas pas lire. Lire. Quoi encore? Tu sais lire, toi? Oui, je veux bien le vendre. Et ensuite, tu joueras sur ton portable juste 2 instants, histoire de. Et ensuite, tu iras faire une grande toile. Voilà! Bravo, machin. Le cœur de Soulani, donc ça c'est cool. Lui, il trouve des trucs assez intéressants. Apnée, il va continuer à faire de la plongée en apnée juste derrière. Et voilà. Ah, il travaille surtout derrière. Bon, écoutez, on surveillera quand même qu'il aille travailler. Même, il ira travailler juste après avoir tout vendu. Donc écoutez. On doit encore lui faire gagner pas mal de sous, donc c'est son objectif à lui maintenant. Toi, tu as trouvé pas mal de trucs déjà, donc ça c'est cool, puisque l'objectif à lui, c'est qu'il arrive à avoir plein de trucs dans le ciel pour gagner des sous comme ceci. C'est parce que c'est un moyen, après tout, parmi d'autres, de faire des sous, et puis ça peut être décoratif à la base, mais bon. Ça, on fera après. Toi, tu n'es toujours pas au niveau max, ce qui est embêtant. Tu vas donc bien tout entretenir. J'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait. Non. J'ai cru. Bon, peut-être pas. J'aimerais vraiment qu'elle monte en niveau, mais c'est vraiment, vraiment pas gagné, hein. Regardez. Jardinage, on est au niveau 76%, 77%, ça y est. Ah, est-ce qu'on va on va peut-être réussir dans cet épisode à enfin lui faire réaliser ce souhait. Et après, bah, il faudra faire gagner tous ces sous-là, hein. Oui, je sais que t'es en retard, mais je m'en fiche royalement. Ok. Non, Anaël, Anaël, Anaël. Écoute, je t'explique un truc. Nino aussi d'ailleurs. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Nino, toi, tu rapportes rien à la maison presque, par rapport à tout le monde. Donc déjà, tu vas faire un effort de continuer. Voilà. À rapporter des sous, s'il te plaît. Voilà. Ok, Amélia, on est à son troisième livre et aucun best-seller, c'est ça? Mais c'est pas possible, elle fait des qualités comment? Tant. Qualité excellente, qualité normale? Tu me fais aucun best-seller, t'es sérieuse? Mais c'est pas possible. J'aimerais. C'est l'ordinateur qui veut ça? On va essayer. Des fois que. Hein. On va prendre le meilleur PC possible. D'accord? Ici. On va lui faire arrêter. On va le faire reprendre un livre ici. Écrire, reprendre, écriture, ici. Après, elle ira s'asseoir. Elle ira écrire des romans ici. Voilà. Parce que là, elle le fait pas. On va y arriver, hein. On va y arriver. Écrire un livre. Ah, toi, t'as envie de faire pipi. Et t'as fini ton livre. Ton truc, ton livre. T'as fini ta toile, donc après tu vas aller faire pipi. J'accepte. Qu'elle puisse avoir besoin de faire pipi. Voilà. Donc, et je veux absolument, voilà, gagner des sous actuellement. Donc écoutez, on continue de faire travailler à fond nos Sims. Allez, tu peux le faire. C'est quoi? Je sais pas ce qu'était la musique, mais tant mieux, peut-être que c'était positif. Je voudrais que tu fasses. Non. Où elle va? Non, tu vas pas discuter, et puis quoi encore? Tu vas faire des recherches, tu vas faire des recherches, faire des recherches, faire des recherches. Voilà. J'ai tellement hâte maintenant qu'elle monte cette carrière. Est-ce qu'elle a écrit un best-seller? Oui! Elle en a 2 best-sellers, ça y est, plus que un, et on va pouvoir lui mettre une nouvelle aspiration. Toi, t'as envie de faire pipi? Et bah tu vas y aller pendant ce temps. Non, c'est bon, t'as juste fait ça, ok. Donc attends, il a envie d'aller aux toilettes, il a envie de prendre des restes et il a besoin de socialiser, mais ça on s'en fiche. Il ira continuer à observer juste derrière. Ok. Toi, tu vas bientôt travailler et tu vas bientôt monter au niveau max. Allez, dis-moi que tu y es presque. Dis-moi. Dis-moi. Oui, ça y est. Et ça y est. Et donc ce qui fait que on va pouvoir lui mettre. À nouveau, à elle aussi, la nouvelle, voilà, incroyablement riche. Parfait! Et elle, elle a déjà gagné pas mal de sous, mais on ne sait pas encore combien. Il faut attendre.
Donc là, elle vient de partir travailler d'ailleurs. Je n'ai même pas fait travailler dur les deux. Donc, ok. Toi, il faut que tu écrives un dernier best-seller. Je te lâche pas tant que t'as pas écrit le dernier best-seller. Toi, tu vas aux toilettes. Ensuite, tu iras aux toilettes. Par contre, toi, qu'est-ce que tu fais? Réagir avec tes goûts. Je m'en fous. Je m'en fiche. Tu ne réagis pas avec tes goûts. Tu vends ta toile. Tu vends ta toile. Et ensuite, tu vas prendre des restes. Voilà. Je veux bien que t'aies pas que tu puisses pas toujours tout faire. Hein. Ça, d'accord. Mais par contre, tu peux faire certaines choses. Toi, tu as 5000. Hey, hey. Regardez, regardez, regardez. Elle a 5000, ce qui fait qu'on peut lui acheter un arbre à simflouz. Et maintenant, on arrive à avoir 5 arbres à simflouz, je crois. Et on a tout ça à mettre aussi. Et lui, il a pas poussé encore. Il a pas poussé. Et elle a fini son aspiration. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parfait! Ok, toi, tu viens de rentrer. Tu vas vendre. On va vendre tout ce que tu as dans ton inventaire. Déjà, rien que ça. Lui, il doit encore gagner pas mal de sous. Hein. Il a pas très. Écoutez, il faut qu'il aille étudier ses adversaires. Donc, il va étudier ses adversaires. Donc, toi. Maintenant que tu viens de finir ton aspiration. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut, voilà, fortune, incroyablement riche. Et voilà, et elle, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'elle va continuer à avoir des intérêts. Et ça, c'est important. Toi, on va vendre déjà tout ce que tu as dans ton inventaire. Et il est 21h, donc tu n'as pas trop envie de dormir. Donc, on va faire regarder les étoiles. Voilà, très bien. Toi, donc, tu continues à... tu auras besoin de faire pipi juste après. Demander au chef, on s'en fiche. Tant pis, se sentir les œufs pourrés. Ok, bon. Vendre un éditeur. Vendre un éditeur. Vendre un éditeur. Vendre un éditeur. Et enfin, vendre un éditeur. Elle, elle va déjà tout vendre. Elle va gagner encore plus de sous. Ça, c'est cool. Elle rapporte, mais un truc de trop bien, quoi. Donc, toi, t'étudies tes adversaires. T'en es au 25%. Toi, tu viens de manger, ce qui est très bien. Et tu vas... je ne sais pas quoi faire encore. J'ai mal cliqué. Voilà, donc ensuite tu vas aller faire une dernière toile avant d'aller dormir. Elle, elle a l'action de dormir. Lui, il va faire ça un peu et puis il ira dormir. Toi, dès que tu auras fait tout ça, on va te laisser finir. T'as fini un livre ou pas là? Non, je crois pas, mais tu vas aller dormir. Les enfants, ils vont aller. Tu vas utiliser et dormir. Et toi, tu vas utiliser, puis te doucher, puis dormir. On va voir un peu ce qu'ils ont rapporté. Bon, ils ont rapporté des choses, c'est positif. Voilà, les enfants ne servent qu'à ça, on sait bien dans ce let's play. Et eh bien, tant mieux, tant pis, hein. Écoutez, hop, on leur fait vendre tout ce qu'ils ont rapporté. Il est vrai que maintenant qu'on a fini, enfin qu'on a presque 500 000 simflouz, regardez ça. C'est plus très utile, je sais, de les faire pêcher, mais ça fait toujours des sous en plus. Et écoutez, moi je trouve ça positif d'avoir toujours plein de sous en plus. Voilà. Hop, elle est montée, elle nous a fait une étoile de plus et elle va se coucher. Les enfants vont bientôt aller se coucher. Lui, pour l'instant, c'est pas prévu au programme qu'il aille se coucher, donc tant mieux. Et enfin, tant mieux, tant pis, hein, puisque c'est aussi, voilà, il faut aussi les laisser aller se coucher quand même de temps en temps. Lui, il va manger, ce qui est très bien. Et ensuite, écoutez, il faudra qu'il aille dormir. Mais j'aimerais bien qu'on attende que sa femme rentre du boulot pour qu'ils puissent aller faire crac-crac ensemble. Voilà. Donc, pour l'instant, ils mangent et elle est en train de monter dans sa carrière où elle est niveau 8. Donc, elle rapporte quand même pas mal de sous à la famille. Écoutez, ça se débrouille, hein. Donc, voilà. On va nettoyer pour Oku, Panino, et voilà. Et j'aimerais bien que, donc, tu iras faire crac-crac avec Oku. Donc, Oku, tu vas attendre. Et ta femme rentre à 2h. Donc, non. Tu vas attendre, gentiment. Tu vas enlever la nourriture périmée pour l'instant. Et voilà, on a de moins en moins de nourriture périmée, ce qui est très positif aussi. Ah, il faudrait qu'il monte sous charisme, mais pas tout de suite, du coup, puisqu'on attend juste que Sophia rentre. Toi, ça va plutôt bien, mais écoute, tu vas rentrer te coucher. Parce qu'il est tard, hein, quand même, mine de rien. Et voilà pour cette petite journée. Bref, voilà pour cette petite journée, nos Sims qui vont plutôt bien. Toi, tu vas aller... Ah, est-ce que toi, tu peux... Oui,
Faire crac crac, allez, allez faire crac crac tous les deux. Faire crac crac tous ensemble. Oui! Pardon. Donc, ils vont faire crac-crac tous les deux. Ça leur fait du bien. Elle, elle commence à se sentir crade. Donc, après, Tira quand même prend une douche avant d'aller dormir. Voilà. Et au moins, ça les détend et ça monte le social d'un coup. Ça, c'est l'avantage de ceci. Voilà. Toi, tu vas aller prendre une douche aussi parce que tu commences à te sentir déshydraté. Et ensuite, ils pourront enfin dormir. Voilà. Et les arbres commencent à pousser. Et c'est très bien. Donc, on est né à 3 qui ont maintenant incroyablement riche en train de monter. Et lui surtout, il a bientôt fait, il a bientôt 5000, donc ça c'est cool. Et voilà, tout simplement, c'est cool. Ah, la partie de crac-crac n'était pas particulièrement sympathique. Bon, voilà pour aujourd'hui, pour ce jour Sims. La nuit passe et elle est quand même 3 étoiles, hein, notre enfant. Donc toi, tu iras prendre des restes. Toi, tu vas aller prendre une douche. Hop. Et tu iras prendre des restes juste après. On surveille hein, les Sims qui se réveillent. Tu n'as pas de livre à mettre, non. Tu travailles aujourd'hui? Ouais, elle travaille le dimanche par contre. Donc écoutez, on va juste faire en sorte qu'elle aille bien. Puis elle aura qu'à aller regarder du coup la télé simplement et tranquillement. Regardez la télé. Allez hop, toi donc tu fais ça. Et puis ensuite, tu n'auras plus qu'à fertiliser hop, avant d'aller pêcher. Toi, Anaëlle, tu viens de te réveiller, tu vas vendre ta toile, tu vas utiliser et te doucher, tu n'as pas faim, tant mieux. Donc, hop, tu iras jouer. Ah! Mais, oh, ça m'énerve. Ça enlève toutes les actions. Enfin, ça a enlevé une action et réagir avec dégoût et ça a tout décalé et voilà. Et du coup, on peut pas lui faire encore faire de la peinture tant qu'elle n'aura pas joué sur son portable, donc on attend bien sagement et gentiment. Toi qui viens de te réveiller, tu vas tout de suite aller observer le ciel pour l'instant. Toi, tu pars au travail, ce qui est génial. Oh là 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 là. Les Sims vont moyen. Alors, Anaëlle, c'est bon? Non, toujours pas. J'aimerais bien qu'Anaëlle ait fini son action. Toi, tu pars au travail, tu vas travailler dur, c'est bon, c'est déjà ce qu'elle fait. Allez, Anaëlle, joue que je puisse te faire travailler. Je veux faire travailler ma Sims. 7000! Wouh! Elle gagne 7000 par jour. Eh, 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 ça sert hein, les livres. Hein. Allez. Bon, écoute, tu vas faire juste un peu d'exercice des abdos. Peut-être que ça ira mieux. Oui, non? Oui! Ok, c'est bon. Tu vas pouvoir faire une toile réaliste. Tony, on s'est pas trop occupé de toi parce qu'on s'occupait de ta mère. Tu vas aller utiliser, prendre une douche et tu vas jeter la nourriture périmée, prendre des restes. Et ensuite seulement, tu iras observer le ciel. Voilà. Ça va mieux. Ah, Nino, tu viens de te réveiller. Tu vas aller faire... mince. Tu vas aller faire juste un petit pipi. Puis ensuite, tu iras prendre des restes. Et puis ensuite, tu iras pêcher. Percer dans le journaliste. Écrire un article. Entra, ça n'est arrivé, il y aura de l'argent, il y aura... Écrire l'article. Je m'en fiche, ça fait des sous. C'est vrai que dans cette partie, on veut juste des sous. Hein. On va pas se mentir, hein, mais... c'est notre objectif. Voilà. C'est quoi, du coup? Respecter mon autorité. Commentaire en ligne. Ok. Non, non, non. Non, tu... Oh, Anna. Tu as pêché. Voilà. Anna pêche. Ah, pardon. Nos deux Sims se sont réveillés. Toi, non, tu vas servir le petit déjeuner parce qu'on va commencer... le déjeuner, pardon. Parce qu'on va commencer à manquer de nourriture. Puis après, tu iras servir d'autres petits, un petit chili végétarien. Quant à toi, tu as cette action d'être incroyablement riche. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est tout vendre, partout. Oups, j'ai tapé mon micro. Je suis vraiment désolée si ça fait du bruit. Excusez-moi, je suis très maladroite. Ok, tu vas entretenir le jardin, faire évoluer, faire évoluer, faire évoluer, faire évoluer. Bref, on doit tout faire évoluer. Donc écoutez, on va faire ceci. Hop. Ça rapportera toujours plus de sous. Hein. C'est aussi l'objectif de tout faire évoluer, c'est d'avoir plus de sous. Et surtout que ces plantes, je trouve les dahlias là, ça c'est des dahlias, ça rapporte pas mal. Est-ce que les arbres à symphose? Non, on peut pas les faire évoluer, c'est dommage. D'ailleurs, en parlant d'un racimflouz, on a oublié de la planter et celle-là, on n'a pas déplacé encore. Donc, on va planter l'un racimflouz et lui, il rapporte, il est plus à plus de la moitié de son machin, donc ça c'est cool. Et il travaille dans une heure, ok.
Hop, ça on va mettre de côté, évidemment. Anaëlle, tu vas réparer, puisque comme tu es en bas et que tu veux pas peindre, et ben voilà. Oui, je gronde ma cips. Les enfants pêchent normalement, donc tout va bien. On a des sous, on a passé les 500 000 simflouz, on a dépassé la moitié de notre objectif. Ce qui est quand même pas négligeable, donc bah écoutez, tant mieux. Écoutez, c'est sur ça qu'on va se laisser, sur cette petite famille qui est en train gentiment, oups, de vendre et de gagner des sous. On a dépassé la moitié, je suis trop contente. J'espère que vous aussi, que vous aimez toujours suivre ce let's play. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !